Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le 14 juillet, donc jour férié en France, et donc Quentin ne travaille pas, donc on a une chouette journée en famille qui est prévue. Donc voilà, je commence ce vlog un peu tard parce que bon, ce matin on n'a rien fait d'intéressant. La petite s'est réveillée vers... quelle heure il était? 8h, 8h30 pour le biberon. Là elle s'est endormie, là il est bientôt 11h, elle est toujours pas réveillée, donc on attend juste qu'elle se réveille avant de partir. Voilà, je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Bon, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Je suis désolée si la luminosité est affreuse, mais il fait vraiment vraiment pas beau dehors. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il fait vraiment pas beau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je rentre à nouveau dans mes petits shorts de chez Bâche que j'adore, que j'achète depuis des années. Depuis ma vidéo sur mon programme de remise en forme avec de gros guillemets, suite à ma grossesse, j'ai perdu 1,5 kg et ça a complètement métamorphosé ma silhouette. Je rentre à nouveau dans tous mes vêtements et j'y rentre très confortablement. Donc voilà, j'ai pas encore mon corps d'avant, enfin en tout cas moi je m'en rends compte, mais voilà, j'ai vraiment, ça n'a rien à voir avec il y a un mois ou deux. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, ce short je l'ai dans plein de couleurs, je l'adore, je l'achète quasiment toutes les saisons, sauf cette année. Et sur les pieds j'ai mis du vernis blanc hier, c'est le Optic White de chez Dior qui m'a été envoyé par la maison Dior, et ça fait très longtemps que j'avais pas porté de vernis blanc sur les ongles de pied, et je trouve ça canon. En pull, je porte un pull de chez Promode, c'est un petit pull tout fin. Aujourd'hui il va faire une vingtaine de degrés, donc c'est pour ça que je suis pas en t-shirt. Il est sympa parce qu'il a un petit... J'espère que vous allez avoir un petit décolleté dans le dos avec une sorte de torsade dans le pull. Voilà, puis avec un imprimé ananas. C'est vraiment le pull tout bête. J'ai mon petit débardeur en satin dessous parce que voilà, j'aime toujours bien avoir ça pour la petite dentelle qui dépasse. Au niveau des bijoux, j'ai des petites étoiles de chez Pilgrim, mais je les avais eues sur Asos et je crois qu'elles ne sont plus trouvables. Ma montre Fitbit, j'ai une petite ceinture en cuir de chez Des Petits Hauts, mais d'il y a au moins 2 ans. Et puis mon bracelet, il vient de la boutique Le Paradis de Thalie à Annecy, dont je vous parle très souvent, mais qui n'a pas malheureusement de vente en ligne. Donc voilà pour la tenue du jour, il me manque juste des chaussures, ça va se finir en sandales. Ah oui, et les ongles sont assortis au pull aussi. C'est le corail, je ne me souviens plus de son nom, le corail quelque chose de chez Dior, je vous l'ai présenté sur Instagram en story. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, il y a plus d'une semaine, mais moi je l'ai porté sur Instagram hier. Et voilà, donc c'est les deux vernis que j'ai reçus de chez Dior. Et voilà, je me suis fait manucure pédicure hier, ça fait beaucoup de bien. Voilà, je suis en train de préparer le sac pour partir parce que ce soir on mange chez des amis. Donc voilà, j'emmène le pyjama, les petites affaires pour Inès pour pouvoir la changer. C'est un cabas en lin que j'ai acheté en fait en solde sur le site Smalable, qui est un site que j'adore. Il est de la marque Linge Particulier, si vous connaissez cette marque. J'avais voilà mon œil dessus depuis pas mal de temps. C'est un immense immense cabas en lin pour emmener toute sa maison, et voilà, avec la petite c'est pratique d'avoir quelque chose de ce genre là. Donc voilà, je vais prendre ses affaires de rechange etc, et je suis très optimiste puisque je prends l'ombrelle de sa poussette également, mais ça m'étonnerait qu'on en ait besoin vu que bah c'est un peu grisou dehors, donc on verra bien. Et dehors, Quentin est en train de faire une activité manuelle assez incroyable. Donc vous voyez, c'est une licorne en papier mâché, il n'y a pas d'autre mot. En fait, il a une collègue qui a démissionné de son précédent poste, et il veut lui faire en fait un petit cadeau un peu symbolique. Et bon, il se trouve que Quentin a aussi démissionné de ce poste, hein. Il a changé de boulot tout juste à la naissance d'Inès. Donc il a acheté une licorne en papier mâché chez Cultura. Et bonjour le chat. Et il est en train de la peindre une moitié avec les couleurs de Laura Merlin, donc c'est la moitié qui est en dessous que vous ne voyez pas. Voilà, blanche, donc on mettra du vert après qui est là, et une autre moitié bleue, enfin sur fond bleu avec des lettres en jaune, parce qu'elle part travailler chez Metro. Donc voilà, elle va avoir un très beau souvenir sur son bureau. Et c'est une fan de licorne, hein, donc c'est pour ça qu'il a acheté une licorne, hein, c'est pas pour le hasard. Donc voilà, je me suis occupée de faire les petites découpes, voilà, ici, j'ai marqué Metro au crayon papier pour qu'on puisse faire ça joliment. Et voilà, c'est l'activité manuelle du week-end. Je crois qu'on en a pour 4 jours parce que du coup faut qu'on fasse une couche, qu'on fasse sécher, qu'on en refasse une autre. Donc voilà, on fera les lettres en jaune. Je peux montrer parce qu'elle verra peut-être cette vidéo, mais le vlog sera sorti une fois qu'elle aura reçu son cadeau. Et pour la corne, des paillettes bien sûr, donc voilà, des paillettes violettes sur la corne. Donc voilà, c'est l'activité créative du week-end. Bon voilà, on est en route pour Annecy. Je suis désolée, ça se couvre un peu, je suis passager de la voiture. En fait, je vais pas pouvoir vous filmer la fin de l'étape DIY de la licorne là, et c'est dommage parce que ça serait peut-être sympa que vous voyez le rendu. Enfin, non pas qu'on soit extrêmement fier de ça, mais voilà, ça peut être rigolo. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce vlog sera publié une semaine après que je l'ai filmé. Donc, je vous incruste tout de suite une photo du résultat, enfin, ou un petit clip du résultat final. Voilà, quand même que vous ayez vu la fin du truc, parce que c'est un sacré gag. Donc tout ça pour dire qu'on est en voiture, on part sur Annecy, il doit être midi. Normalement
devrait manger à cette heure-là, mais écoutez, elle se plaint pas. Donc on en profite, on part, on lui donnera à manger en arrivant sur place. Et ce midi, on va tenter, je dis bien tenter, d'aller manger des burgers dans un nouveau resto qui s'appelle les burgers de papa ou les burgers à papa? Non, ça doit être les burgers de papa, Tino's ou Bobo. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une chaîne. En tout cas, il y a plusieurs franchises qui ont été ouvertes récemment, et donc celle d'Annecy est toute récente, enfin ça date du mois d'avril ou du mois de mai. Et j'avais reçu en fait deux, alors c'est pas deux invitations, mais deux burgers gratuits en fait pour aller les déguster. C'est leur service de communication en fait qui essayait un peu de faire connaître le concept. Et voilà, ça fait une éternité qu'on se dit qu'on doit y aller. Et je leur ai envoyé un message en fait sur Facebook il y a quelques jours pour leur demander s'ils étaient ouverts le 14 juillet parce que c'est pas dit, et ils sont ouverts. Mais tout dépendra de la place. Quand vous êtes comme nous, jeunes parents avec une poussette, vous comprenez très vite que bah, tout le monde peut pas vous recevoir hein, parce qu'il faut aussi la place pour stocker l'engin à 4 roues. Donc voilà, on va voir si y a de la place, s'il n'y a pas de place, on ira ailleurs et puis ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, je vous retrouve quand on arrive à Annecy. Bon, et sinon, on était au mariage de la tante de Quentin il y a. Ça va faire presque un mois maintenant, et il y a toujours les petits rubans avec le tulle sur les rétroviseurs. Voilà, à chaque fois que je rentre dans ma voiture, je me dis « Ah, c'est vrai, faut que je les enlève !» et j'oublie complètement. Et du coup, tout le monde se moque de moi, on croit que je vais à des mariages toutes les semaines. Donc voilà, faut vraiment, vraiment que je les enlève. Burger de papa, et ben c'était super bon vraiment. Il y a 6 ou 7 choix de burgers de mémoire. Moi j'ai pris le fils à papa, je crois, et Quentin a pris, je me souviens pas ce que t'as pris. La tête de lard. La tête de lard, bon, avec du lard dedans, sans surprise. Frites nature pour moi, frites au cheddar pour Quentin, et la limonade de papa qui était très bonne. On n'a pas pris de dessert parce qu'on va probablement se prendre une glace en ville, mais ils font des milkshakes et des cookies. Donc voilà, on continue notre balade. Alors je tiens à souligner que je n'ai absolument rien acheté en solde, mais que Quentin a fait des folies chez Devred, le magasin était en liquidation totale, donc c'était ultra intéressant. Et on a un mini citronnier pour la grand-mère de Quentin qui vient d'emménager à Annecy, donc là on va prendre le thé chez elle. Voilà, donc on sort de chez la grand-mère de Quentin, j'ai une bombe à déposer dans une poubelle, c'est le souci des jeunes parents, enfin des parents tout court. Et on vient d'avoir nos amis au téléphone, donc on va pas tarder à partir chez eux parce qu'ils sont à quelques kilomètres d'ici pour aller manger. Et on doit apporter le dessert. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est le 14 juillet donc, et que je crois pas qu'il y ait beaucoup de pâtisseries d'ouvertes aujourd'hui. Donc voilà, mission dessert. On vous retrouve un peu plus tard pour vous dire si ça a été une mission réussie, mais je pense qu'on va un petit peu galérer. Bon, mission dessert accomplie. Non sans mal, parce que donc en effet une boulangerie, pâtisserie déjà ouverte un 14 juillet, bon courage, et qui a encore des pâtisseries à 17h30, bah bon courage aussi. Mais on a trouvé une super tarte aux fraises chez Pan et Gâteau. Si vous êtes d'Annecy, vous connaissez peut-être cette boulangerie pâtisserie, ils ont des super desserts. Et alors elle est, je l'ai vue en, du coup, en format 6 personnes, et on a pris pour 8. Elle est canon, je pense que j'essaierai de vous faire un petit clip pendant qu'on la déguste ce soir, parce que c'est une beauté. Voilà, on est un peu naze parce qu'il fait hyper chaud, on pensait qu'il ferait moins chaud que ça. J'ai un mal fou à parler aujourd'hui. Je crois qu'on est un peu assommé par la chaleur. J'avais habillé Inès comme s'il allait faire 15-20 degrés, ce qui était prévu, et en fait je crois qu'il fait plutôt 26,5. Voilà, donc on a bien chaud, et on a marché presque 7 km au final, on s'est bien baladé. Donc voilà, on part donc pour une petite ville à côté d'Annecy chez nos amis. J'essaierai voilà, de vous filmer des petits clips pendant la soirée. Alors bienvenue dans Projet Blair Witch. C'est hyper effrayant la lumière. Très rapidement on est sur la route du départ, il est hyper tard, donc voilà, c'était juste pour finir ce vlog. On rentre à la maison et demain j'ai cours de gym, donc il va falloir que de toute façon il va falloir que je me motive, mais de toute façon oui, la motivation ça là c'est certain. Mais voilà, après être rentré assez tard à la maison, ça va être un petit peu dur. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à la prochaine.